Je ne sais pas si vous entendez moi, je ne vais pas parler là. Je n'aime pas les programmes ici. Attends, je vais monter là pour dire si vous entendez moi. Vous me dérapez là. Patrick, est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez, Patrick? Je ne vais pas parler, je ne vais pas parler programme ici et puis après, ils sont en coupé, je ne vais pas me est-ce que vous entendez, mettez-le. Je me suis demandé pour nous qu'à font des appels, nous allons remplir dans le dia. Non, on a font parler très rapidement. Joël, nous t'en démoins. Bonsoir, Marcel, sur dans des. Dis-moi si nous t'en démoins. Jacques, je suis ici. Oui, il t'en démoins. Deuxième monde, 5 sur 5. Ok, ben nous dis appels, bonjour, bonsoir. Quel que soit côté dans le Gadea, et bien, il aime pas ton petit temps avec nous. Et puis, son titre, toute information que vous avez mes amis, tout, son, tout allé parce que je n'ai pas encore une information de partager avec nous. Parce que son en pas de raison quelconque et la batterie est perdue de charge. Si je me retourne encore, bon, gentil Augustin était assez gentil pour tourner, descendre la ville, que nous partons de moins. Donc au moins, les gens qui étaient avec nous étaient en fin. Donc pas, nous ne pouvons pas encore dans le commencement parce que bon, tout le monde est perdu. Bon, parce que vous en tout cas, la nouvelle chose, c'est que le ministre américain Janet Yellen est trouvé actuellement en Chine. Il n'a pas fait discussion avec l'autorité chinoise. Alors qu'on est que laissé les finances. Donc il y a l'argent qui va discuter, il y a l'autre parole qui va discuter tout. Donc il va discuter, parler avec les ministres. En visite, ça a fait suite avec l'autre visite que l'autre officiel au placé américain a fait. On a parlé du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. De même vite, en parlant du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, et bien lui-même était trouvé lui dans Trinidad et Tobago, dans l'occasion du 50e anniversaire et création et marché commun Caraïbe. Mais c'est une occasion tout pour lui reprendre support, mais pour demander qu'a fait pour que une force robuste qui a en Haïti pour supporter le président national là. Dans la lutte, la mener contre gang, armée, etc. Et puis, certainement, créer conditions pour l'élection qui va dérouler. En parlant de ça, on a dit le président Wanda et Paul Kagame, qui était en contact avec le ministre Ariel Henry, et bien, il promet tout le même pays, le Wanda, capable de contribuer dans une force multinationale qui parle en Haïti, justement, pour le frapper, les armées. Mais il dit les conditions, les tout bas, on va réunir. Donc, Wanda parie pour lui. Pour lui supporter le dossier pays d'Haïti. Et je dis à tout, c'est le Canada, le ministre des Affaires étrangères du Canada, et Mélanie Jolie, qui a rencontré avec la communauté haïtienne dans Montréal, non, pas dans Montréal, non, mais Ottawa, pour discuter de ces questions sur la crise d'Haïti et qui a été quoi que le Canada a fait pour supporter ou pour aider à résoudre la crise pays d'Haïti à traverser. C'est un peu des grandes manchettes. Et puis nous connaissons préparatifs à continuer dans le nord, nord et nord-est pays d'Haïti, dans le cadre des préparatifs qu'a fait pour marquer le deuxième anniversaire assassinat du président Jovenel Moïse, qui était fait dans la résidence privée. Et donc préparatifs à faire, des discussions toujours supporter Jovenel Moïse eux-mêmes. Ils disent ils vont faire une messe et une messe d'action de grâce. Ensuite, après messe là, ils vont faire une marche et pacifique. Et cela. Dans le nord-est et dans le nord, et très probablement, il y a l'autre côté dans le pays qui a fait ça. Il y a tout. Alors, la famille Maurizio a mieux dit que vous voulez faire un bar en privé. Vous parlez de personnes qui viennent au libre, viennent assister à un bagarre, alors que vous parlez pour le monde qui est identifié ou bien vous prétendez qu'il avait assassiné, vous avez vu au libre. Et sur ça. Puis, le gouvernement, vous n'avez pas les décrétés, journée 7 juillet. Comme une journée de deuil national, et dans la mémoire, et disparition du président. Donc, dans Port-au-Prince, il y a un juge, et Walter Voltaire et Sir Voltaire, qui dit même qu'il y a ce dossier, qui a instruit le dossier assassinat du président Jovenel Moïse. Il continue à faire audition, il continue à attendre des témoins, et je dis encore à attendre, et porte-parole SDPA, de cette démocratie populaire là, mettant des Michel, qui est dans le gouvernement actuellement. Et bien, l'attente de jeudi à M. Gué pour la faire des positions, pour la répondre aux questions, juge Voltaire, pour lui dire qui ça que le connaît, bien qui information que le connaît, il gagne.
hier c'était tout par Pierre Espérance, qui était devant les juges là, mais Pierre Espérance était mauvais tant que bon, parce qu'il dit que il par rapport conseil de monde qui est censé handicapé, en fait, avant de citer non madame président, Martine Moïse, qui refusait de venir devant le juge là pour une bonne question, parce qu'ils sont handicapés, et puis il dit, bon, c'est des nègres qui étaient pour exécuter, rapprocher le président, et qui ont même. Et doué, il y a un peu à dire, et surtout si tu es non, et ambassadeur d'Haïti dans l'OEA, et on parle de Léon Charles, et il y a deux sécurités proches président qui sont en prison, alors que Léon Charles est dans Washington, et lui-même, il s'est représenté Haïti dans l'OEA. Voilà. Je me dis tout bas qu'on y a là, c'est d'hier. Et puis, sous plan international, on a parlé de président et Pélox là, Loukachenko, mais il dit que leader groupe rebelle Wagner là, pas dans le pays, non, pas, donc il n'est pas dans la Biélorussie. Mais il par contre, il est aussi lié à aller là aussi. Tout. Et il a appliqué M. Sa, groupe ça qui fait président Vladimir Poutine tremblé. Les messieurs ont été occupés, la occupation quartier général et soldats militaires russes pendant un bon bout de temps, et puis après ils ont décidé de faire ce parler. La pierre a venu, la pierre a pris là. Je ne vais pas arrêter encore, mais j'aime bien qu'on puisse parler avec nous. Et puis, bon, secrétaire anniversaire, bah, la fin, qu'on y a là, et qui était marqué, et préparation, ou bien qui était marqué 50e anniversaire, fondation, ou bien création, et quand on a fini. Section nationale de football féminin Haïti a dit en préparation, il a préparé la prise de match contre Corée du Sud, mais ça a fixé pour et dimanche la Corée du Sud avant de mettre tête pour l'Australie. Et nous rappelons que cette score là a pris sous place, mais elle a bien tombé. Je dis un gros bye bye, je vais bien participer à la veille. Bye bye tout le monde.